Salut les gens, salut les bourrins, c'est DinoLibera59. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur le mode avatar de Ultimate Tenkaichi. Donc ce sera un walkthrough, hein, qui sera en plusieurs parties. Donc, alors l'avatar, vous l'avez vu, hein, je viens juste de le supprimer. L'avatar standard, je l'aime bien, donc alors on va l'appeler tout simplement DinoLibera. Olivera. Voilà. Hop. Les cheveux, bon, on va laisser comme ça. Couleur de base, bon, bah, la peau, ouais. Concernant l'habit, on va le mettre en bleu et noir. Je ne me souviens plus comment on fait le noir par contre. Tout simplement comme ça. Le logo, on n'en met pas. Quoique, attendez, parce que j'ai peut-être déjà les vêtements que je veux en fait. Vêtements de guerrier de fusion. Bon bah. On va rester comme ça du coup, hein, avec les vêtements de guerrier. Je me souviens plus comment on fait. Les vêtements de guerrier fusion. De quelle couleur ils sont à peu près. Enfin, c'est surtout le bas, je me souviens plus. Là, je sais que c'est noir. Ça doit être comme ça. Alors, au niveau de la voix, on va prendre une voix genre une voix de fou. Pourquoi? Bah parce que je suis un folle dingue sûrement. On va prendre la coiffure de Bardock ou sûrement, je ne sais pas. Enfin, on va prendre le sortilège. Mais du coup, on va dire que c'est un super guerrier de base. Je sais pas trop comment on fait ça. Mais c'est ma gueule lui. Des truffes, des truffes. Voilà, ça doit faire ça à peu près, je pense. Voilà. Oui, je confirme. Comme ça, on va dire qu'il aura un mode super guerrier et un mode super guerrier 2. Hé hé. Eh oui, c'est comme ça qu'on fait le mode super saiyan 2. À la wall again, à la boulet. Donc, on va tout recommencer du coup, hein, vu que j'ai supprimé mon personnage. Enfin, je crois qu'on recommence tout. Si on recommence pas tout, ce serait très con. Alors. Bon, bah apparemment, on recommence pas tout, c'est ce que je pensais, fais chier. Bon, bah, fais chier. Putain de fais chier. Allez, putain. Ouais, on recommence pas, on recommence pas, c'est dommage. C'est dommage parce que du coup j'ai déjà tout, alors c'est quel que je vais les mettre. Alors, je crois que c'est enchaînement rafale là.
Hop, Kaioken Kamehameha x20, enchaînement rafale. En fait, j'ai l'impression qu'on recommence, mais sans recommencer en fait. On n'a pas de truc. Je vais quand même regarder mon niveau de. Comment on regarde déjà ça, putain. La statue, ouais. Ah ouais, si on a recommencé. En fait, on recommence sans recommencer. C'est vraiment très con hein, comme système, hein, mais bon, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on recommence, ok, pourquoi pas qu'on recommence, mais dans ce cas-là, qu'on recommence aussi dans les. Enfin, là-dedans, quoi. Ça paraît logique. À moins que je suis pas logique. Je dois pas être logique. Bon, allez. Au moins, on va dire que ce sera ça de moi à faire hein, dans les trucs de maître. Parce que c'est souvent là-dessus qu'on rage le plus. Donc bon. Du coup, je ne sais pas combien de temps va durer le walkthrough. Mais il va peut-être pas durer très longtemps. Alors, on va changer, on va se barrer de ça vite fait, bien fait. Et voilà mon guerrier, la puissance. Ah ouais. Fais gaffe, je suis déjà un super guerrier, mon gars. Tiens, dégage, et dégage, et dégage, et dégage, et dégage. Et prends-toi ça. Et tiens. Oui, il faut savoir que ce jeu, il donne une âme de barbare. Oh, ça va chier. Ça va chier, ça va chier. Et tiens. Et prends-toi ça. Et prends-toi ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Alors, T'en veux? T'es sûr? Bon bah, bouge pas. Hop. T'as dit que t'en voulais, alors je t'en donne. Hein. Tiens. Et tiens. Mode bourrin activé. N'est pas super saillant qui le veut. Ah ah, bitch, please, quoi, fais naf. Attends-moi. Je vais te buter. Je vais te buter, tu comprends, gamin. Je vais te buter. Et tiens. Et prends-toi ça dans la gueule. Et on peut terminer en beauté en lui infligeant une attaque dévastatrice. J'ai nommé la combinaison météore. En mode gros bourrin, comment le capitaine du commando Ginyu a pu se faire battre? Tout simplement parce que c'est une merde. Ouais, une Dragon Ball. Andy prepared to travel to new. Je me prépare pour un voyage vers de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Non, je déconne. On va arrêter de déconner quand même, hein. C'est quand même une vidéo. Faut être un petit peu...
j'ai la boule à 3 étoiles. Mais du coup, c'est très con parce que... Ok, j'aurais pas à faire le... J'aurais pas à faire tout le bordel des... Du... Tout le bordel des machins, là, des maîtres. Parce que, bon, ça, faut savoir que c'est quand même très chiant. Mais bon, c'est quand même... C'est quand même con dans le sens où... On a quand même... toutes nos attaques dès le début, quoi. Donc bon. Puis ça rajouterait... Enfin, ça aurait rajouté un petit peu de gameplay. Même si ça aurait été un petit peu toujours la même chose. Oh putain. Gna gna. Et tiens, et tiens, et tiens, et tiens, et tiens, et tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Oh. Ouf. Bla bla bla. Tiens, ça prend drôle. Oh. Et tiens. Tiens, et tiens, et tiens, et tiens, et tiens. Encaisse ta graisse. Encaisse ta graisse. Tiens, 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 et tiens. Ouh, ouh, ouh. Tu m'as loupé, tu m'as loupé, tu m'as loupé, tu m'as loupé. Gras, graou, gras, graou, gras, graou. Oh merde. Qu'est-ce qu'on se marre. Oh. Merde. Bon alors, t'attaques. Oh. Hey, fais gaffe avec tes coups de poing, hein. T'aurais pu m'assommer là. Hein. Bitch. Oh. Loupé. T'es vraiment nul, tu sais. De toute façon, personne ne peut me tuer. Oh merde. Ouf, blablabla. Là, tu m'as bien eu, connard. Et crois-moi, ça se reproduira pas. Et prends ça dans ta gueule. Enfin, dans tes poings. Alors, t'en demandes. Oh putain. Oh, le truc légèrement impossible à faire. Et voilà, dans ma gueule. J'ai pas le droit à l'erreur là. Ça c'est le truc faut. C'est bon. Ouh ça, ça doit faire mal. Prends-toi ça. Tiens. Ouh, bitch please. Clough enough. Je reconnais tes efforts. Ça, c'est fait. Comment augmenter tranquillement? On va peut-être même pouvoir aller faire un petit championnat du monde. Et continuer un petit peu la quête aussi. On va aller buter les prochains.
Par contre, du coup, c'est galère. Je ne sais pas où je dois aller. Ouais, bah de la merde, on va par là. On va aller par là. Et si je trouve quelque chose, bah c'est bien. Si je trouve rien, bah tant pis. De toute façon, j'aurais quand même cherché. J'ai quand même l'impression que c'est pas par là, hein. Non, ça c'est pas... Ça là-bas c'est quoi? Encore une ville, je m'en fous. Depuis tout à l'heure... Non, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de tourner en rond. Une ville, je m'en fous. Ça doit être dans le coin là-bas là. Ah bah tiens, juste à l'endroit où... Bon, on va d'abord faire l'île Amambo et après on va faire le petit championnat du monde et je pense qu'on se quittera là. Ça aura été déjà pas mal, hein. On aura fait le début, on aura regardé un petit peu. Donc bah c'est dommage, le gameplay ne sera pas non plus super long. Le gameplay du jeu. He heard rumors of a remarkable pair, a brother and sister. Donc bah je suis désolé mais le walkthrough fera peut-être 5 épisodes à tout casser. Maximum 5 épisodes. Yeah. You know that pair that's looking for the Dragon Balls? A pair, you say? So what will you do when you get these Dragon Balls? Hello? Collect the Dragon Balls and get a wish granted. I'll collect them and change the world. Did you hear that, 18? Yes, I heard, 17. Wait a minute here. You're androids? Aha, I see. So you freaks looking for Dragon Balls, huh? Yes. We've already found 2 of them, in fact. With this dragon radar of ours, they're actually pretty easy to find. Whoa! You've got 2 of them already? You going to give those to me? I can save the world if you do! Idiot. You think we'd hand them over? What are you saying? We're quite fond of the world the way it is now. The old world was pointless, filled with boring human emotions like compassion. But in this world, strength is everything. It's far more predictable. That's why we'll collect the Dragon Balls and drive the world further into chaos. So then, hand over that Dragon Ball. You guys are dumb! Donc voilà. On se retrouve maintenant pour la baston, allez, crève! We are androids. Crève enculé! Et tiens! Ça doit faire mal, hein? Sans jet, c'est sûr! Oh oui! Alors toi, mon gars, ça va faire mal. Ça va faire mal quand tu vas crever, ça va vraiment faire mal. Prends-toi ça. T'apprends droit à me foutre des baffes. I wonder how long your stamina will hold out against the two of us. Because our energy never fades. Votre énergie ne diminue jamais, mais tu sais, moi, la mienne non plus. Oh, alors toi, t'aurais pas dû faire ça. Ah, spammage de touche.
C'est pas du fap 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 hein, que je suis en train de faire. Hein. Prends-toi ça dans la gueule. Quoi? Ça te suffit pas? This power is nothing like what I was told. J'espère que là, ça te suffit. Espèce de naze. What a surprise. You have quite the power for a non-android. All right, I'll go next. Hmm. This is it. Ce n'est pas parce que tu es une femme que je vais t'épargner, ne l'oublie pas. Pour moi, tu n'es qu'un robot et rien d'autre. Un robot que je vais mettre en pièces. Prends ça dans la gueule. T'as aucune chance face à moi. Oh, ça a l'air de faire mal. Viens là. Viens là. Et viens là. Et crève. Je vais t'envoyer voler contre le mur, toi. Alors toi, t'aurais pas dit. Bon, alors là. Ça va chier, mais ça va chier. Ça va chier pour toi, ma vieille. Ça va chier. Ah, tu veux faire la mariole. Bah, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ma vieille. Ça va chier des bulles. Ça va chier des bulles, tu vas prendre pour ton grade. Crois-moi, tu vas prendre cher. Relève-toi après ça, on verra bien si t'es une femme. Tu te relèves? Ok. Viens me prendre ta raclée, salope! Et tiens dans ta gueule. Non, je fais pas mon bourrin, c'est pas vrai. Maintenant, je vais tous vous achever. Look, what's this? I'm thinking you actually get it. It doesn't matter if you're androids, yeah? You still have feelings. That need to protect someone you care for. Number 17 and 18 learn the importance of helping each other. And the young man, having received the Dragon Balls and Dragon Radar, headed out again in search of the remaining four Dragon Balls. Well, bon, je vais bientôt être niveau F partout. Bah, tout simplement à la fin du championnat du monde. En même temps, je suis pas cool hein, avec ceux qui,
qui participe au championnat du monde. C'est vrai, je suis déjà en mode Super Saiyan, j'ai déjà toutes mes attaques. Et encore. Dans les attaques ultimes, j'aurais pu être encore plus cheaté avec le Super Game Kidama ou le Kamehameha véritable. Mais je suis généreux. C'est parti pour le championnat du monde! Alors tout de suite, on va se retrouver face à Trunks. On verra bien qui va gagner. Y a pas beaucoup de suspense en même temps, hein. D'un côté t'as Trunks et de l'autre côté t'as un barbare. C'est pas grave, hein. J'ai des tocs partout. Pour Gohan? Si tu le dis. En attendant, prends-toi ça dans la gueule. Enfin, dans le dos plutôt. Et ça, tu peux te le prendre dans la gueule. Bah alors ? Connard ! Hooch ! Nyoink ! Hishnyu ! Blablabla. Nyouf nyouf nyouf. Viens là. Viens prendre ta fessée. Viens prendre ta fessée, mon gars. Viens, mais viens. Tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher pour m'avoir fait ça. Va te faire foutre. Et je contre-attaque direct. Et crois pas que c'est terminé! Ce n'est que le début, mon gars! Et tiens! Tiens! Va te faire foutre! Le combattant est à terre? Ça ne m'aurait même pas été. Que des minables. Des minables. Bon alors, qui sont les autres minables que je vais devoir affronter? Demi-finale. Contre Raditz. Je vais devoir me battre contre un radis. Pourquoi pas un poireau pendant que tu y es? Quelqu'un a parlé de poireau, gamin? Tiens! Et tiens, et tiens, et tiens, et tiens! Ouh, blablabla! Mon père, tiens, tout tiens! Plein de chier! Ouh, blablabla! Wablabla! Wablabla! Laisse-moi crever en paix. Ouf, wablabla! C'est que tu fais mal, connard! Tiens!
Tu voulais faire mal? Bah bouge pas, moi je vais te faire mal aussi. Parce que moi je leur en fois 1000. Alors, on ne s'attaque pas? Je croyais qu'un saillant, ça contre-attaquait. Allez, prends ça! Là, tu peux ressentir ma rage. Tiens, prends ça. Excuse-moi, j'ai failli oublier que j'étais trop fort pour toi. Eh ben alors, qu'est-ce que tu fais? Moi, je t'attends pour attaquer, moi. Croyais que t'étais plus fort que ça. Autant pour moi. Oh merde. C'est mort, on a fini de jouer maintenant. Tiens, prends pas ça sur la gueule. La victoire, c'est tout ce qui compte. Je vais connaître maintenant mon dernier adversaire. C'est pas un adversaire, ça. Non, mais sérieusement, qu'on se foute pas de ma gueule. C'est pas un adversaire. C'est une blague. Je vais me le faire. Je vais me le faire en deux temps trois mouvements, celui-là. Allez, hop là, hop là, hop là. Bah alors, c'est tout ce que tu sais faire? Minable! Et tiens! T'aimes manger le sol, je le sais. Et tu m'as loupé, hein, je veux pas dire, mais bon. Oh! Autant pour moi! Autant pour moi, tu sais te défendre. Mais je suis plus fort que toi quand même. Bon alors, tu te réveilles? Ou c'est moi qui te réveille? Tiens! Et tiens! Prends-toi ça dans la gueule! Ouh, ça doit faire mal! Loupé, c'est ballot, hein. Bon alors, tu te réveilles toujours pas? Bah, va coucher alors. C'est clair.
Lui, je lui ai pas laissé une seule seconde de répit. Lui, va mourir. Eh bien voilà, j'ai gagné. En même temps, si là j'ai pas gagné, c'est qu'il y a un problème. Donc eh bien la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que ce nouveau walkthrough vous plaira. Et bon, le walkthrough va pas être non plus super long, hein. Parce que bon, vu que apparemment je peux pas faire les trucs des maîtres, parce que j'ai déjà tous fait. Ça sert à rien que je les repasse. Hein. Donc le walkthrough ne sera pas non plus extrêmement long. Donc on fera avec, hein. On fera avec. De toute façon, on n'aura pas. On va peut-être avoir 5-6 walkthroughs, hein, peut-être maximum dessus. Puis à la fin, vous verrez le personnage, la puissance qu'il aura, etc. Et donc quand je vais faire un épisode de ce walkthrough là, je ferai un épisode du walkthrough de la guerre du Nord avec. Et en fait une semaine sur deux ce sera la guerre du Nord et ce walkthrough là de Ultimate Tenkaichi. Et l'autre semaine ce sera du Skyrim et du Warriors Orochi. Donc j'espère que ça vous aura plu. Pensez à laisser un j'aime, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Pensez aussi à partager la vidéo à vos amis. Et sur ce, je vous laisse. Salut tout le monde !